Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo et c'est une vidéo mes cadeaux d'anniversaire. Donc, mon anniversaire c'était le 21 juin et j'ai reçu normalement tous les cadeaux. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, petit disclaimer, hein, comme d'habitude, je ne fais pas ça pour étendre ce que j'ai reçu, etc. Pas du tout, loin de là. C'est justement pour vous partager ce que j'ai reçu. Si jamais vous voulez vous acheter les mêmes choses ou si vous souhaitez faire une wishlist de cadeaux d'anniversaire, au moins vous aurez des idées. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, tout d'abord, un cadeau de moi à moi. Je fais ça tous les ans. Puisqu'en fait d'habitude je ne fête pas mon anniversaire, là je l'ai fêté avec ma belle famille, donc du coup voilà, mais d'habitude je le fête pas, enfin je le fête que avec mon copain ou toute seule tout simplement. Donc du coup tous les ans je me fais un cadeau, même pour Noël je me fais un cadeau moi-même. Et donc du coup je me suis fait cet énorme cadeau, donc je sais pas si vous verrez, mais c'est un iPad. Ça fait plusieurs années que je réfléchis à m'acheter un iPad. Alors pourquoi la marque Apple? Tout simplement parce que mon téléphone c'est un Apple et en fait tout est relié avec les appareils Apple, donc c'est pour ça que j'ai pris un iPad. Là j'ai pris l'iPad Air, fait 10,5 pouces je crois. Donc voilà, il est super. J'ai acheté un écran vert pour mettre au-dessus et je me suis acheté avec un petit clavier, donc comme ceci. Alors là j'ai été un petit peu bête on va dire, puisque j'ai acheté un clavier Apple parce qu'en fait je pensais que j'étais obligée d'acheter du Apple pour faire aller avec la tablette, mais pas du tout, comme ceci. Donc voilà, donc un énorme cadeau cette année. D'habitude je m'offre pas aussi un cadeau aussi gros, mais vraiment là c'était vraiment quelque chose où j'économisais depuis plusieurs mois. Ça fait à peu près un an que j'économisais pour l'avoir, donc je suis très très contente d'avoir enfin une tablette. Ça a beaucoup m'aider pour les réseaux sociaux, tout ça. J'aime beaucoup mieux répondre avec une tablette qu'avec mon téléphone, tout simplement puisque c'est beaucoup plus grand. Donc du coup voilà, je me suis pris une coque transparente derrière, donc en fait le clavier, je vais vous faire voir. Le clavier il est comme ceci, donc il s'aimante sur le côté. Je sais pas si vous verrez bien. Et donc du coup j'ai acheté une coque transparente avec du coup le côté qui est ouvert. Donc je ne sais pas si vous verrez, pour que je puisse en fait tout simplement clipser. Donc voilà, comme ça. Donc voilà, donc ça se sépare en deux, mais c'est parfait. J'en prends grand soin évidemment. Et je suis super contente. Je vais vous faire voir ce que j'ai acheté aussi avec. Donc ça c'est la boîte de l'iPad tout simplement. La boîte du clavier, là vous verrez mieux je pense. Le clavier. Et du coup c'est Amazon que je l'ai acheté. Je me suis acheté un petit stylet pour aller avec. Bon, pour l'instant j'utilise pas énormément, mais donc il se présente comme ceci. Donc pareil, il y a le stylet Apple et en fait il était plus disponible, sinon j'aurais acheté le Apple parce que je pensais qu'il n'y avait que le Apple qui marchait sur les tablettes, pas du tout. Donc j'ai bien fait de. Enfin heureusement qu'il y avait une rupture de stock. Du coup j'ai commandé sur Amazon pour beaucoup moins cher. Je crois que j'ai payé 29 euros, non 30 euros au lieu de 100 euros le Apple. Donc voilà. Donc très très contente de mon gros cadeau. Évidemment, voilà, j'ai économisé énormément. Donc je suis très très contente. Mais je pense que c'est la première et la dernière fois que je me fais un aussi gros cadeau. Après, bon, j'aurais plus besoin de rien. Donc voilà pour ça. Je me suis acheté aussi, vous l'avez vu, dans une des vidéos haul. Ça vient de chez Noz, j'avais payé 2 ou 3 euros, je sais plus. Et du coup, j'y range ma tablette dedans. Voilà.
Elle est un petit peu plus grande que la tablette, vous voyez, mais c'est bien, c'est suffisant. Donc voilà. Donc ensuite, je vais passer au cadeau que mon chéri m'a fait, tout simplement. Donc tout d'abord, il y a le Animal Crossing. Donc vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo. C'était une vidéo haul. Je vous l'avais présenté parce que je l'avais reçu avant. Donc mon chéri me l'a offert parce que il me l'a offert en avance parce qu'il croyait que j'allais l'acheter. Donc du coup, il me l'a acheté dès le déconfinement, en fait, il me l'a acheté. Donc c'est top. J'aime trop ce jeu. Franchement, j'y passe de toute façon des heures. Là, ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué parce que j'ai plus énormément de temps avec mes deux boulots. Mais dès que je travaille plus, je vais m'y remettre à fond. En espérant avoir Kéké sur mon île, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc du coup, ça devait être le seul cadeau. Et j'ai assisté à une réunion Victoria. Donc une réunion Victoria, ce sont des ventes de bijoux chez quelqu'un. Donc là, c'était chez la belle famille. Et du coup, je me suis prise une montre que je n'ai pas sur moi, évidemment. Et mon copain m'a offert ce petit bracelet. Donc je ne sais pas si vous verrez bien. Il est comme ceci. Il est rose gold. Voilà. Avec des petits pompons. Donc voilà. Il est très très joli. Je l'adore. Et donc, pareil, là, ça devait être les seuls cadeaux. Et le jour de mon anniversaire, du coup, j'ai reçu d'autres petits cadeaux. Donc tout d'abord, j'ai reçu ceci. Donc toujours de la part de mon copain, j'ai reçu un petit Pikachu lumineux. Avec un petit strap et clip Pokémon. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir. Voilà. Il est lumineux comme ceci. C'est sympa, j'aime bien. Alors on voit un petit peu plus peut-être. Ensuite, j'ai reçu une pochette pour ma Switch comme ceci, pareil Pikachu, voilà. Donc il y a une petite pochette juste devant, donc je pense pour mettre les câbles ou pour mettre les jeux. Et puis elle s'ouvre comme ceci, donc je vous ai mis ma Switch à l'intérieur pour que vous puissiez voir. Donc voilà, elle est superbe. C'est vrai que moi j'avais une pochette de Switch mais elle était noire, basique, et celle-ci elle est vraiment chouette, je suis très contente de l'avoir reçue. Donc voilà. Et enfin, le dernier petit cadeau, c'est ceci. C'est un petit doudou qui vient de chez Carrefour. Pour la petite histoire, donc le frère et la sœur de mon copain ont eu un bébé à peu près au même temps. Et du coup, on a acheté deux peluches comme ceci. Donc on a acheté un pingouin et un petit lapin comme ceci. Puis quand on les a achetés, je me suis dit, ah, il est doux, ah, il est mignon. Et j'étais à deux doigts de l'acheter. Et puis c'est vrai que je me suis dit, bon, t'as plus un bébé, t'as plus besoin de ça. Et puis il me l'a offert tout simplement. Je suis trop contente, j'arrête pas de dormir avec. Donc voilà. Donc mon chéri, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je t'aime trop de tout mon cœur. Donc de la part de mon meilleur ami, j'ai reçu la palette Norvina volume 4. Il s'est pas trompé cette fois-ci, donc je sais pas si vous avez suivi sur Instagram. Mon meilleur ami m'avait offert pour Noël la Ambrésie de Anastasia Beverly Hills que j'avais déjà en ma possession. Du coup, j'ai fait changer, etc. Puis du coup, on en avait parlé. Et puis il me l'a prise. Il a dit surtout achète plus rien. Je me suis retenue de l'acheter. Franchement, j'étais à chaque fois à deux doigts de l'acheter parce que. Soit sur Vinted, elle est à 50 euros, ou il y a des promos, des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que je pense que vous la connaissez toutes. Elle est vraiment canon. Donc, du coup, c'est la dernière que j'ai reçue de la marque Norvina. J'ai toute la collection. Je suis très contente. Donc, voici comment elle se présente. Elle est vraiment magnifique. Je suis trop, trop contente de l'avoir. Donc, voilà. Et donc du coup avec, il y avait un échantillon du fond de teint Anastasia Beverly Hills, tout simplement. Donc voilà. Et pour l'achat de plus de 30 euros, je crois, il y avait un highlighter offert. Donc du coup,
Il a pu avoir le highlighter et son teinte Vegas, c'était la teinte que je voulais, donc je suis trop contente. Donc voici. Je suis trop contente, Antoine, si tu passes par là, merci beaucoup, franchement. Tu pouvais pas me faire plus plaisir qu'en achetant la palette Norvina volume 4. Donc ensuite, de la part de la sœur de mon copain et de son copain du coup, j'ai reçu pas mal de petites choses. Et franchement, je me suis retenue pour filmer cette vidéo. Parce que ils m'ont offert cette sucette en bonbon. Je sais pas si vous verrez bien. Elle est trop belle. Et j'ai trop hâte de la manger. Donc voilà, j'ai eu aussi un burger XXL. C'est top. On va enfin pouvoir les manger. Ça, c'est top. J'ai eu une carte. Joyeux anniversaire. Voilà. Donc je vous cache un petit peu tout. Et donc on avait réussi à trouver tous les membres de la famille. C'était marrant. Franchement, trop chouette. Donc ensuite, il y avait cette petite jarre pour boire à l'intérieur. Je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir l'utiliser. Ça, c'est top. J'ai eu ce petit baume à lèvres Pepsi. Pepsi chérie. Donc j'aime trop ce genre de baume à lèvres. J'en avais quand j'étais plus jeune. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas racheté. J'aime trop les goûts coca, etc. Donc voilà. Et enfin, cette pochette. Donc comme ceci. Hop. C'est top. Elle est trop belle la pochette. Je suis trop contente. Et donc à l'intérieur, il y avait une brume pour le corps. Even Scent. Je pense que c'est la marque. Et c'est Sunset Kiss. Et c'est une brume très sucrée. Je ne sais pas du tout où elle l'a eue, mais franchement, ça sent super bon. J'aime trop l'odeur. Ensuite, une bombe de bain comme ceci. Pareil, elle sent super bon. Il y avait un masque pour les yeux. Donc un masque rafraîchissant pour les yeux, comme ceci. Et j'ai eu des masques. Donc j'ai eu un masque après soleil, comme ceci. Trop cool. Un masque gold en deux parties, comme ceci. Et le meilleur pour la fin, le masque tête de chien. Franchement, trop marrant. J'ai trop hâte de l'utiliser. Enfin, de les utiliser tous, hein, de toute façon. Mais j'attendais vraiment de filmer la vidéo pour les utiliser. Donc là, ça y est, j'ai plus d'excuses. Je vais pouvoir tout utiliser. Je suis trop contente. Et franchement, pareil, faut pas me faire plus plaisir. Si jamais Claire, tu passes par là, Claire et Ludo, je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Vous avez tapé dans le mille. Enfin, pour finir dans la belle famille, la mère de mon copain, son conjoint et la grand-mère de mon copain m'ont offert de chez Sephora une carte cadeau. Donc voilà, donc du coup, comme ça fait déjà un moment que je l'ai reçue, j'ai évidemment déjà acheté des choses. Et donc je me suis pris la Natasha Denona, la bronze, qui est trop jolie, je suis trop contente. Donc voici comment elle se présente. Elle est très jolie. Et donc l'intérieur se présente comme ceci. Je pense que vous l'avez déjà passé au joli. Je suis très contente. Et du coup, j'ai aussi pu me prendre la Naked Ultraviolet. Je suis trop contente. Je la voulais énormément, celle-ci. Je vous avouerai que quand je l'ai vue, je me suis dit, celle-ci, c'est pour moi. Elle est comme ceci. Elle est trop jolie au niveau du packaging. Et voilà. Elle est vraiment canon. Je sais pas si vous verrez bien, mais elle est vraiment très jolie. La teinte qui est là, le vert d'eau, il est magnifique. Le violet avec des paillettes bleues qui est juste là, il est vraiment canon. Ah vraiment, j'ai trop hâte de tester cette palette.
Je vais enfin pouvoir la tester. Je suis trop, trop, trop contente. Donc voilà pour les cadeaux que j'ai reçus. Donc du coup, de ma belle-mère, de son conjoint et de mémé. Donc si jamais vous passez par là, bon mémé, je pense pas, mais si jamais Nathalie et Albert vous passez par là, vraiment merci. Je suis trop, trop contente. Donc voilà, merci aussi à mémé, mais je sais pas si elle verra cette vidéo. Donc voilà, j'ai reçu de la part de Déborah, ma copine de lycée. Voilà, ça fait tous les ans on se retrouve pour notre réunion annuelle avec tout le monde. Donc on est quatre pour s'offrir les cadeaux d'anniversaire, etc. Et du coup, de la part de des bobos, j'ai reçu un cadeau de chez Yves Rocher. Et pareil, j'attendais de vous le présenter avant de l'utiliser. Ce sont les nouveaux gels douche concentrés. Je les avais vus passer en plus et c'est vrai que je voulais les tester. Donc du coup, je suis très 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 contente. Franchement, j'adore. Donc je les ai pas encore sentis. Donc il y a à la mangue, à la fleur de tiare, au lotus et à la grenade. Donc voilà. Franchement, je suis trop 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 contente. Donc Déborah, si tu passes par là, merci énormément. Je suis trop contente. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je suis très reconnaissante de ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc à toutes les personnes qui m'ont gâtée comme ça, vraiment merci beaucoup. Je suis vraiment très contente de tout ce que j'ai reçu. De toute façon, moi il me faut pas grand chose, je suis toujours contente. Donc je vous dis, j'ai pas l'habitude de recevoir des cadeaux. Donc c'est vrai que bah un rien peut me faire plaisir. Donc voilà. Après là, franchement, je suis contente de tout ce que j'ai reçu. Des masques, des peluches, des palettes. Enfin, franchement, je suis hyper, hyper contente et reconnaissante. Je remercie encore tout le monde pour tous ces jolis cadeaux. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez reçu des cadeaux il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous avez reçu? Si ça vous a donné des envies d'achat, si ça vous a donné des envies de wishlist. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.